bienvenue à cette rubrique « Dis-moi, apôtre ». Voilà, c'est ça le nom de la rubrique. Yann du 92 nous a posé une question très importante et je pense que vous allez être bénis par cette question. Comment puis-je avoir la motivation de faire ce que je ne veux pas faire ou ce que je n'ai pas envie de faire plutôt? Vous savez, la Bible dit que le Seigneur met en nous le vouloir et le faire. C'est important de comprendre une chose. Lorsqu'on est chrétien, on doit avoir une communion avec Dieu, une relation avec Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc la première clé pour avoir la motivation de faire ce que vous devez faire, c'est de prier déjà pour cette chose-là. Vous priez pour ça et vous verrez la motivation va naître. La deuxième chose, c'est de vous informer sur cette chose-là, notamment lire à ce sujet ou bien discuter avec des amis au sujet de cette chose-là. Vous allez voir, la motivation pour faire ces choses-là naîtra. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous savez que vous devez faire un devoir à rendre vendredi et nous sommes à mercredi. Appelez un de vos condisciples de classe et parlez-leur du devoir. Est-ce que tu as déjà fait le devoir? Et le condisciple vous dira, oui, j'ai déjà fait le devoir. Je l'ai abordé comme ceci, comme cela. Et vous allez en parler et ça fera naître en vous l'envie de pouvoir faire cette chose que vous avez la flemme de réaliser. Nous donnons des réponses plus exhaustives à ces questions sur notre chaîne YouTube par des enseignements un peu plus complets. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur « s'abonner ». Et n'oubliez pas la petite cloche, nous vous enverrons des notifications de vidéos qui concernent les questions que vous vous posez. Si vous aussi, vous vous posez certaines questions, vous pouvez nous les poser en commentaire de cette vidéo. Nous allons traiter de ces questions dans la prochaine rubrique « Dis-moi, apôtre ». Que le Seigneur vous bénisse.